Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur la crise dans la partie. Ici un exemple fort compliqué, mais instructif. Une partie de Pedersen contre Pacman, qui s'est jouée à Marianne-Stelazne en 1951, très au noir. Les rois des noirs est affaibli. Et un sacrifice en G6 est dans l'air. Donc, ils jouèrent cavalier F6, le bon coup, beaucoup de défense. Tour E1 et tour E8. À nouveau le bon coup. Et on obtient ainsi une position critique très compliquée. Outre ce qu'on va voir dans la partie, les blancs disposaient encore de nombreuses possibilités. Par exemple, cavalier prend E7, échec. Tour prend E7. Fou en G6, en fait, c'est une erreur. Fou en G5. Cavalier H5 serait meilleur, mais rien n'est joué. Fou prend G6, qui est une faute. H prend G6. Dame prend G6, échec. Tour G7. Fou prend G7. Tour prend G7. Dame prend F6. Et fou prend G2, échec et gagne. Donc voyons une autre variante possible. Donc, c'est ça. Voilà, donc après cavalier F6, tour E1, tour E8, une autre variante possible serait tour prend E5, mais ce coup est erroné. Parce qu'alors cavalier H5, ou encore dame prend E5, également erroné. Alors dame prend E5. Tour prend E5, G prend F5, et les noirs ont simplement gagné une pièce. Donc, ce n'est pas bon. Voyons encore une variante. Donc après cavalier F6, tour E1, tour E8, une autre possibilité est fou G5. Un bon coup là, très bon coup. Mais alors fou F8, également très bon. Fou prend F6, tour prend F6, cavalier H6, échec, roi G7, tour prend F6, roi prend F6, cavalier G4, échec, roi G7, dame H4, très bon coup. Alors ici, pas dame D6, parce que, alors fou, tour F1, fou E7, dame A6, échec. Roi G8. Cavalier F6, échec. Fou prend F6. Et fou prend G6 et gagne.
tout simplement. Donc, remettons les pièces. Donc après, cavalier F6, tour E1, tour E8. Donc sur fou G5, fou F8, fou prend F6, tour prend F6, cavalier H6, échec, roi G7, dame H4, dame E7. Donc ici le bon coup n'est donc pas dame D6 mais dame E7. Alors j'avais oublié un tour prend F6 et roi prend F6. Excusez-moi. Et donc dame prend E7, tour prend E7, tour prend E5, tour prend E5, et j'ai oublié aussi de déplacer mon cheval, cavalier prend E5. Alors certes, maintenant, il serait très dangereux de prendre le pion A2. Fou, parce que fou A2, et alors B3, et le fou se fait enfermer. Mais les noirs peuvent continuer par fou D6. Et grâce à leur paire de fous, ils ont quand même de très bonnes chances de nullité, malgré le pion en plus des blancs. Donc, revenons à notre position pour voir qu'est-ce qui s'est joué dans la partie. Donc après cavalier F6, tour E1, tour E8. Dans la partie, les blancs ont joué cavalier E3. Mais ce coup s'avère fautif. Fou E6. Et maintenant, les perspectives sont tout à fait égales. Les blancs ont laissé échapper leur chance. Il est vrai que c'était compliqué à trouver. Mais alors, ils continuèrent leur attaque. Fou prend G6. Mais ce sacrifice s'avère incorrect. H prend G6. Dame prend G6. Échec. Roi H8. Fou G5. Et là, tour F8. Probablement le coup qui avait échappé au blanc. Cavalier F5. Et là, les blancs n'attendaient manifestement que fou prend F5. Et alors là, tour prend F5, suivi de tour F1 qui double les tours. Mais il y a eu une contre-attaque inattendue qui a complètement changé le décor. Cavalier H7, fou H6, fou prend F5, tour prend F5, fou. Alors ici, surtout pas dame D6, parce qu'après l'échange des dames, c'est comment? Après l'échange des dames, c'est fou prend F8 et les blancs gagnent. Donc c'est fou H4 pour attaquer l'autre tour. Cette fois-ci, si les blancs prennent la tour, alors ben. Tour prend F5, dame prend F5, et fou prend E1, et le jeu est égal. Avec un avantage d'une pièce pour les noirs. Donc tour F1, tour prend F5, donc peut se jouer aussi. Tour prend F5, tour prend F5, dame prend
F5, fou F6, dame E6, fou G7, fou prend G7, roi prend G7, H4, cavalier F6, et avec leurs pièces en plus, les Noirs ne tardèrent pas à exploiter victorieusement cette forte supériorité matérielle. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous passerons à la nullité positionnelle. Je vous remercie.